Originaire de Burkina Faso, Emmanuel Bankian, de son vrai nom, est un jeune artiste musicien, auteur, compositeur et interprète, qui ainsi de son nom d'artiste se définit comme la renaissance ancestrale d'un retour aux sources de la musique traditionnelle, avec un nouveau souffle au chant, aux percussions et à la danse africaine. Passionné par la musique depuis son enfance, le succès ne tardera pas. Kenzi se fait remarquer en 2007 à Ouagadougou, où il remporte le trophée du public. Cette victoire, d'ailleurs, qui lui ouvrira les portes et permettra de faire des rencontres riches avec des grands coachs musicaux qui influenceront sa carrière professionnelle et le projet Kenzi, d'où la naissance de son tout premier album intitulé Waza, sorti en 2012 avec 11 titres. Cet album permet à Kenzi d'être la nouvelle marque de la musique africaine. Son style défini comme l'afro-soul, grâce à son entourage, feront en sorte que Kenzi se produise sur plus de 24 spectacles en 2 mois et demi. En 2019, du côté de Paris, cette tournée parisienne qui lui a valu le prix de la meilleure composition attribuée par une association de la promotion de la musique africaine basée en France. Kenzi, excellente représentation de la musique africaine, chante en Diola, une langue burkinabé, et en français. Bonsoir Kenzi. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de participer à cette grande promotion que nous offrons aux artistes, aux grands talents africains. Et okay. Voilà, nous espérons. C'est plutôt un privilège pour moi d'être là. D'accord. Et ça me fait beaucoup plaisir de participer. Et merci pour l'opportunité. Merci. Okay. Alors, notre objectif, je tiens à le rappeler, Sahin, qui est qui est la maison de base de Harris New York, située aux États-Unis, ici à New York. Harris New York est une maison de production
cinématographique et également de musique. Et, mais seulement, Harris New York a pour objectif de faire donner une grande visibilité aux talents africains, particulièrement, que ce soit dans le domaine du cinéma, que ce soit dans le domaine de la musique, de fashion, de mode, de l'animation, et puis dans plein d'autres domaines, documentaires, etc. Donc, et nous avons voulu comme ça donner cette promotion à 10 talents pour faire leur promotion gratuitement pendant un mois sur nos pages avec ce programme En Cause. Donc aujourd'hui, vous êtes à En Cause Musique et nous avons... En Cause Musique. En Cause Musique. Okay. On a En Cause Cinéma pour les réalisateurs des films. On a En Cause Musique pour des talents comme vous. On a et En Cause Comédie. D'accord. Pour des comédiens. On a également En Cause Fashion. Bref, toutes les rubriques que j'ai citées tantôt sont représentées. D'accord. Et je voudrais vous poser la première question. D'accord. Vous appelez Emmanuel Bokian, n'est-ce pas? Oui, Emmanuel Bokian. Emmanuel Bokian, oui. Oui. Vous êtes originaire du Burkina Faso, comme on l'a entendu tout à l'heure sur votre présentation. Oui. Très éduqué. Oui. OK. Merci. Mais dites-nous pourquoi Kansi? Kansi, pourquoi comme nom d'artiste? Kansi, c'est d'abord, c'est affilié un peu au style de musique que je fais. Mm-hmm. Je fais un peu de la musique traditionnelle. Voilà, de la musique un peu de mélange, de traditionnel à un peu de modernité. Et le traditionnel, c'est forcément inspiré de mes origines. Et donc, d'où le nom ancêtre, parce que qui parle de tradition parlera forcément d'ancêtre, de ses ancêtres, et ainsi de suite. Bien. Voilà. Et pourquoi ce nom Kansi? Parce que Kansi, tout court en Boamo, ça veut dire ancêtre. Ah, d'accord. Ok, c'est intéressant. Mm-hmm. Merci. Ok. Et j'ai également envie de vous demander, parce que tout à l'heure, quand on attendait notre manager, vous avez joué de très belles mélodies avec la guitare. Si c'est autorisé. Donc. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Oh là là, j'ai raté. Hein? Ah ouais. Oui, ça pourrait se revivre, il n'y a pas de souci. J'aimerais vraiment. Oui. Ouais. Alors, vous êtes un très bon guitariste. J'aimerais savoir à quel âge vous avez commencé la musique et comment est venu le choix de la guitare. Alors, parlant de l'âge de la musique, comme je le dis souvent, chez nous, en Afrique, on n'apprend pas la musique, en fait. On est avec la musique. Mm-hmm. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance de naître dans une famille où ma maman, elle était chantre à l'église. Oh. Voilà. Et le volet qu'elle gérait était plus les chansons traditionnelles, vous voyez. Mm-hmm. Elle faisait pas, elle n'était pas dans la chorale, c'était plutôt le groupe musical où on devait chanter en langue, ainsi de suite. Et en son temps, j'étais très jeune, et comme ma maman, elle a fréquenté, mais c'était un peu compliqué pour elle d'écrire. Et mm-hmm. du coup, toutes ces chansons, quand elle les prenait, elle peut lire, mais écrire est compliqué. Et du coup, c'est moi qui rédigeais toutes les chansons de ma mère. Mm-hmm. Et je crois que l'amour est venu comme ça au fur et à mesure. Mm-hmm. Voilà. Et c'est. J'ai hérité de quelque chose sans me rendre compte. De... Tout à fait. Mine de rien, en fait, j'ai pris des deux côtés parce que ma maman, elle était du côté des chansons traditionnelles qu'elle interprétait, mm-hmm. voilà, à l'église. Et mon papa, il était plus dans les chansons mandingues, vous voyez. Et du coup, souvent, je dormais, je me réveille le matin, je trouve qu'elle a mis de la musique malienne, du Oumu Sangaré, du Djeneba Sek, elle est en train de jouer. Et mm-hmm. du coup, j'ai grandi dans deux univers sans me rendre compte. Mm-hmm. En fait, j'ai été bercé par une musique mandingue de l'autre côté et du côté de la maman avec le traditionnel.
il y avait un groupe au Burkina Faso en son temps, les Yélen, qui faisaient de la musique un peu rap, voilà, mais avec des refrains bien. Et ce groupe, il m'a beaucoup inspiré. Du coup, je les écoutais et ça m'a amené plutôt vers le rap. Donc, j'étais dans un groupe de rap. Ah bon? Où je chantais. Je ne rappais pas dans le groupe de rap, mais je chantais dans le groupe de rap. Voilà. Après, j'ai formé un autre groupe avec un autre ami, La Faria. Voilà, c'était avec un jeune rappeur qui était à Banfoura, dans la Comoré au Burkina Faso. Ah, et Banfoura, après... j'entends souvent ça dans, comment on appelle ça encore, les Bobo Diouf. Ah, ok, d'accord. Super. Ça fait plaisir de savoir que vous avez quand même quelques docs de Burkina Faso. Qui ne connaît pas les Bobo Diouf? Cyril, pardon. Souké, c'est un grand frère que je salue au passage. Souké. Souké et Siriki. Souké et Siriki. Oui. Vraiment, c'est. Dès qu'on dit Banfoura, là. Oui, ouais. Tonton Brahma. Tonton Brahma, paix à son âme. Paix à son âme. Paix à son âme. D'accord. Du coup, j'ai progressé un peu avec ce jeune du nom de Soulama Issouf. Bloden, sans son temps, il s'appelait. Et après, moi, je suis un gros nomade, comme on le dit, parce que à un moment donné, j'ai bougé de Banfoura, je me suis retrouvé un peu vers la frontière du Mali, chez un oncle. Et c'est là-bas que j'ai commencé à essayer de faire des trucs moi seul. Wow, voilà. C'est impressionnant. Mais à ce moment, je ne jouais pas d'abord la guitare. Mm-hmm. Voilà. Et j'ai composé des chansons. Je suis revenu à Bobo Dioulasso. J'ai croisé une compétition en son temps qui était organisée par la radio-télévision du Burkina Faso qui s'appelait All Flows, toujours dans le rap. Et je me suis inscrit à Bobo Dioulasso. Et pendant les matchs de Bobo Dioulasso, j'ai remporté la première place. Wow. Et je devais me retrouver à Ouagadougou pour la phase finale. Et quand je suis arrivé, j'ai remporté le trophée du public. Wow. Voilà. Wow. Et c'est là la commune de Bobo a commencé à m'insérer un peu dans les activités de culture, voilà, la Semaine nationale de la culture. Mm-hmm. Et c'est véritablement depuis 2008 en réalité que j'ai commencé à m'impliquer vraiment dans ce qui est de la chanson proprement dite en fait. Wow. Et c'est quand j'ai croisé mon producteur en 2012, Ismaïla Papi Zongo à Ouagadougou, après mon retour du Mali, mm-hmm. que et quand il m'a écouté, il m'a dit « Jeune homme, je trouve que tu as du talent, mais accompagné d'un instrument, ce serait encore mieux. » D'accord. Et il m'a encouragé. Il a été celui qui m'a payé ma première guitare. Voilà la guitare qu'il m'a donnée pour la première fois, vous voyez. Oh, wow. Voilà, c'est la guitare qu'il m'a donnée pour la première fois. Et c'est avec cette guitare que j'ai tout appris. Donc, je ne peux jamais me séparer de cette guitare parce que... c'est un peu comme votre bébé, en fait. Voilà. Même si j'ai eu une guitare qui coûte après plus cher, mais je garde celle-là. L'autre là, c'est le fils aîné. Voilà. Attention. Ah, mais moi, voilà, je suis impressionnée parce que j'avoue, jouer à la guitare, c'est assez difficile, surtout quand on commence un peu tard. Et les cordes ne sont pas faciles à manier, hein, contrairement à ce qu'on croit. Exactement, ça me fait penser à mon histoire personnelle. Quand j'étais toute petite, j'aimais toujours... j'avais un frère qui jouait à la guitare et on a essayé d'apprendre à la guitare au même moment. Maintenant, c'est un grand guitariste et voilà, je n'ai pas pu. J'ai essayé quelques jours. Franchement, ce n'était pas pour moi. C'est très, très, très compliqué. Toujours, je tire un grand chapeau à tous ceux qui jouent à la guitare parce que c'est mon instrument préféré, mais je vous avoue, j'avoue que ce n'est pas facile du tout. C'est très, très compliqué. Oui, comme vous le dites, c'est vraiment compliqué. Mais moi, personnellement, il y avait une motivation derrière tout ça parce que le producteur me disait, ah ben voilà, si tu joues la guitare, ton album, il sort. Si tu ne joues pas la guitare, je ne sais pas, ça sera compliqué. Du coup, je me retrouvais dans un kiosque en Nescafé, à café, en train de boire du café toute la journée, en train de bosser que quelques petites notes, en fait. Et c'est comme ça tout est parti. Demander à gauche, à droite, à mon ami, comment on pince le dos, comment on prend le... Ainsi de suite, et c'est comme ça tout est parti jusque-là. Et Dieu merci parce que j'essaie de m'accompagner en voix. J'arrive à m'accompagner en voix et c'est tout ce que j'ai recherché en fait dans la chose. Ouais.
Et est-ce qu'on peut savoir l'artiste qui... avant même de poser cette question, j'ai envie de vous demander une chose. Oui. Quand on écoute vos chansons, on note tout de suite que vous changez de note, c'est-à-dire qu'elle n'est pas constante. Est-ce que... j'ai également écouté votre parcours, mais est-ce que vous avez pris un apprentissage pour la musique ou vous êtes plutôt autodidacte? Je suis plutôt autodidacte. Voilà. Comme je le disais, j'ai appris avec la maman dans le tas, voilà, en écoutant aussi les chansons que le papa écoutait dans sa radio. Et c'est comme ça, tout est parti. Je me retrouvais à prendre la radio du papa, mettre des... à ce moment, c'était les 4 piles, je me rappelle. Je mets et je suis là, j'écoute. Et quand le papa arrive, je fuis pour me cacher souvent derrière la maison parce que je ne veux pas qu'on me fasse un peu, voilà, des trucs comme ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai beaucoup appris. Mais je crois que l'apprentissage de la guitare aussi m'a permis d'avoir l'oreille encore. Ça m'a perfectionné un peu l'oreille, l'écoute, voilà, pour le live. Ouais. OK. Kessy, j'ai envie de vous demander ceci. Quel est votre artiste? Quel est l'artiste qui vous inspire le plus? Mon artiste qui m'inspire quelqu'un le plus. Pour qui vous avez, quelqu'un pour qui vous avez une grande admiration. Mon artiste qui m'inspirait le plus, parce qu'il n'est plus de ce monde, c'était Ali Farka Touré, le papa Ali Farka Touré. Mmh. Et si vous remarquez dans mon album, j'ai repris Aïdou avec son fils Vie Farka Touré sur la guitare. Sur mon album, il y a Aïdou que j'ai repris. Voilà. Mais au tout début, avant de connaître Ali Farka Touré, il y a un chanteur de, ce nom qui s'appelait, de chez nous qui s'appelait Black Soman. Et Black Soman, je connaissais beaucoup de ses chansons et il m'inspirait beaucoup. Et c'est au fur et à mesure, voilà, j'ai beaucoup plus aimé Ali Farka Touré parce que là, j'aspirais vraiment au live, à tout ce qui est live, tout ce qui est instrument live, voilà. Bon, j'ai encore une autre petite question. J'en ai tellement. J'ai tellement plaisir de discuter avec vous. Donc, parce que j'ai écouté votre musique, franchement, ça m'a emporté. Et du coup, une idée me vient en tête. J'ai quand même envie de savoir, c'est peut-être par curiosité aussi, et peut-être pour vos fans, pour les personnes qui vous supportent. Est-ce que vous n'avez pas, si vous avez envie de faire du futurisme, ce serait avec qui? Ou bien si un projet futurisme avec quelqu'un déjà dans les placards? Pour l'instant, j'ai fait le featuring avec Vie Farka Touré sur le son de son papa et c'est un album qui est en train de sortir. Je sais que je vais préparer bientôt le deuxième album, mais j'y ai véritablement pensé, mais je sais que je sais pas trop, ça me... Pour le moment, j'ai vraiment pas mûri l'idée de voir un peu avec qui un featuring sur mon album. Mais parce que, comme je le dis, j'ai déjà fait deux featuring, Vie Farka Touré et Don Sharp de Batoro. Lui, c'est un parolier du Burkina Faso. Voilà, avec Vie Farka Touré du Mali. Donc, on est en train de lancer nouvellement le premier album. Voilà, il vient de sortir, il est sorti à Paris le 18 juillet 2019 et ici, on l'a sorti le 17 juillet 2019 et 2020. Il est sorti le 18 juillet 2019 plutôt à Paris et il est sorti ici le 17 juillet 2020. Tout est sur les plateformes, toutes les plateformes de téléchargement que vous voulez, Deezer, Spotify, n'importe quoi, vous tapez seulement toutes les plateformes de téléchargement. L'album Kansi est là. Vous tapez Kansi au hasard, vous trouvez l'album complet. Est-ce que vous avez d'autres projets en dehors de ce featuring ou bien en dehors de cet album que vous êtes en train de préparer ou bien c'est un des projets auxquels vous pensez là tout de suite? Des projets, ça c'est obligatoire parce que pour la sortie d'un album, on va pas... nous savons tous ce qui a paralysé un peu tout le monde entier. Parce que moi, j'ai démarré déjà une seconde tournée sur Paris à partir d'avril 2020. Et malheureusement, tout a été stoppé parce que j'étais en plein dans les courses. Et du coup, on est obligé de récapituler et puis essayer de revoir tout à zéro.
Mais là, déjà, l'album est sorti ici. On va faire la promotion au Burkina Faso. Et dès que les voyages sont possibles, je crois qu'il y a des voyages en vue. C'est clair. Voilà. Parce que tous les voyages qui ont été annulés, et on va essayer de voir la mesure du possible, essayer de tout caler. Mm-hmm. Sinon, depuis, à partir du 5 avril, on voyageait. On vous le souhaite. À part la musique, avez-vous d'autres activités? À part la musique. C'est dur. Vous savez que pour un jeune artiste, je ne sais pas si je vais dire en Afrique en général, mais chez nous, pour un album, pour un jeune qui est en train de se jeter dans la musique nouvellement, la musique forcément ne va pas te nourrir dès le départ. Voilà. Donc, on a du coup de petites activités. Donc, vous pouvez aller retrouver Kansi en train de faire un peu d'électricité, voilà, avec des amis. D'accord. Oui, voilà. Donc, un peu ce genre d'activité pour avoir quelque chose pour se stabiliser au fur et à mesure, pendant que, voilà, la musique porte son fruit, et ainsi de suite. Voilà. Je suis une éternelle curieuse. D'accord. Y a pas Alors, Pardon? J'ai dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez poser toutes les questions. D'accord. Vous avez appelé votre style musical Afro-Soul, c'est ça? Oui. Afro-Soul. Afro-Soul, Afro-Fusion. Afro-Soul, Afro-Fusion. Voilà. Je suis un peu entre les deux. Parce que dans l'album, vous allez trouver des sons vraiment très soul et il y a des sons où vous allez trouver que ça groove vraiment. Et ça, à Paris, par exemple, il y a des gens qui avaient dit « Ah non, maintenant, on va appeler ça de l'Afrofusion Mandingue. Okay. » Afrofusion Mandingue. Voilà, donc du coup, il y a d'autres qui ont coupé pour, ils ont dit Afro Mandingue. Ouais. Afro Mandingue, Afro Soul, Afrofusion. Voilà, moi, je l'appelle généralement de l'Afrofusion pour englober un peu la fusion soul, ou vision. Fusion. La fusion. Ok, d'accord, pardon. Voilà, Afro-Fusion, voilà. Mm-hmm. Ok. Ouais. Et est-ce que... J'aimerais vous demander, quel est votre titre préféré parmi toutes vos chansons? Ah, ça, c'est une question qui revient à chaque fois. C'est comme si les gens, ils avaient répété et ils attendaient toujours, ils me posent toujours la même question. Quel est ton titre préféré de l'album? Moi, personnellement, quand vous écoutez mon titre « Vie précaire », Vie précaire. Ce titre, quand vous l'écoutez, c'est pratiquement mon histoire. Pour celui qui ne me connaît pas, s'il part, il écoute mon titre Vie précaire. Il a écouté et il connaît l'histoire de Kansi. Du coup, je tenais tellement à ce que ce soit ce titre qui est du visuel. Et mais quand je suis arrivé à Paris, les gars ont dit « Ah non, mais écoute, non, on préfère au hasard, ainsi de suite. » Il y a ce que l'artiste aime et il y a ce que le public aime. Donc, du coup, moi, j'ai... Mais moi, mon titre de cœur, c'est toujours « Vie précaire » parce que... « Vie précaire ». C'est le titre qui présente Kansi, c'est le titre qui représente Kansi, c'est le titre qui est tout pour Kansi parce que... Voilà, il explique un peu mon histoire. Et je crois que je ne suis pas le seul à être dans cette même vie parce qu'il y a des gens qui vivent la même chose que moi aussi, des jeunes qui vivent la même chose que moi. Donc je personnalise le texte parce que ça me parle personnellement. Donc Vie précaire, si vous partez l'écouter, vous verrez un peu Vie précaire. Si vous comprenez un peu Bambara et résumé de 15 filles. Voilà, et j'ai pas compris. Vie précaire, ce sera le résumé de 15 filles. Oui, en fait, c'est un peu le résumé de la vie de Kansi. Ok. C'est le résumé de la vie de la petite vie de Kansi. Ok. Voilà. Si quand on écoute vos musiques, vu que vous nous parlez des rythmes traditionnels, des anciens rythmes que vous avez eu à écouter depuis votre enfance, mais on sent également un peu de modernisme dans vos chansons. Comment vous vient votre inspiration pour écrire vos chansons? C'est ce que je disais tantôt, en fait. Et ce mélange de traditionnel que la maman me faisait écouter et que j'ai recopié à longueur de journée sur les cahiers. Après, j'écoutais un peu du mandingue
Donc, le mandingue, il m'envoie les mélodies. Le traditionnel, il m'envoie les rythmiques. Et moi-même, il y a ce que j'aime. Moi, je suis jeune. Voilà. Et j'aspirais quand même à faire de la musique, une musique qui peut me ressembler, qui peut me parler et parler à des personnes âgées aussi. Et c'est de là qu'est venu le tout, en fait. C'est de là qu'est venu ce côté moderne. Et quand j'ai choisi de jouer encore la guitare, ça, ça a tout accentué parce que là, quand vous suivez peut-être mes lives, vous allez voir que vous allez voir le bara, il est à côté, c'est le traditionnel. La calebasse, je ne joue pas avec la formule batterie. Je joue avec une formule même un peu particulière qu'on appelle généralement le bibenga. Voilà. C'est une calebasse et avec quelques composantes de la batterie. Waouh. Voilà. Donc, vous allez voir peut-être la calebasse comme grosse caisse et vous allez voir la caisse claire, les charlies et autres, en fait, les petites composantes. Et le tout se résume à la calebasse déjà parce que c'est le centre de la chose, en fait. Et vous allez voir à côté, comme on appelle ce qu'on appelle chez moi le bara, c'est la percussion. Okay. Voilà, pour donner le côté traditionnel et de l'autre côté, les guitares pour le côté moderne, en fait. Voilà, c'est ce que je ressens comme musique. Hein. Et c'est ce que je disais la dernière fois avec les médias. Je dis, moi, je fais une musique que je ressens. Si je dois faire une musique, si je dois faire une musique malgré moi, une musique que je ne ressens pas, je ne vais pas la vivre et je ne crois pas pouvoir faire vivre de la joie à quelqu'un, aux personnes à lesquelles je retransmets cette mélodie, en fait. Donc, je me dis que si la mélodie me satisfait, c'est que ça peut satisfaire quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, moi, je marche. Ça, c'est bien. Kelsey, à vous entendre parler, on sent que vous êtes une personne très, très passionnée. Vous êtes passionnée de tout ce que vous faites. C'est vrai. Alors, j'ai envie de vous demander, avez-vous d'autres passions à part la musique? J'aime beaucoup voyager. Naturellement. Voilà. Voilà. Et je crois que la musique va avec ça parce que qui dit musicien dit forcément voyage. Dans ce cas, vous allez venir au Cameroun alors. Ah ouais, mais ça sera un plaisir pour moi d'y aller. Ça serait un grand plaisir parce que. Vous allez faire un duo avec notre artiste Aklem. Lui, il fait dans le rap, donc ça devrait normalement marcher avec la musique comme la vôtre parce que. Bien sûr, j'aime beaucoup la musique camerounaise. Ah, vous avez même été rappeur. Qui ça? Vous avez même été rappeur. C'est ça que j'ai. Il était rappeur. Donc, ils vont se comprendre. J'ai été chanteur dans un groupe de rap. Donc, j'aime beaucoup le rap. Tout à l'heure, j'écoutais du rap, en fait. Avant de vous prendre, j'écoutais du rap. Oh. Il y a des jeunes Maliens qui font des merveilles, que j'écoute beaucoup. Il y a même des jeunes Burkinabés aussi dans le rap. Et j'aime beaucoup, il y a un qui fait un peu de l'afro au Cameroun. C'est que les noms, j'ai souvent des soucis quand même avec. C'est pas. Il y a des jeunes qui font des merveilles là-bas, au Cameroun. Kansi, bon, comme j'ai demandé tout à l'heure, là, je ne sais pas si j'ai déjà posé cette question, parce que c'est une question qui me démange là. Avez-vous le trac sur scène? Parce que vous pouvez être un chanteur passionné, mais sur scène, c'est une autre personne. Alors, j'ai envie de demander si vous avez le trac sur scène. Et aussi, avant de répondre, sachez que vous allez me faire un petit truc, un rap de quelques 10 secondes, pas plus. Imaginez que vous êtes sur scène. Imaginez déjà que vous êtes sur scène. Avant de me dire si vous avez le track ou pas, quel que soit la réponse que vous allez me donner, vous allez vous mettre sur scène et me faire un petit truc de 10 secondes, s'il vous plaît. Mais je répondrai directement que oui, parce qu'il n'y a pas de chanteur. Je ne sais pas, mais je ne vais pas dire à l'absolu, mais je crois que la majeure partie de tous les chanteurs que je connais, ne serait-ce que quelques secondes avant de monter sur la scène, il y a forcément un tout petit track avant de commencer.
Mais le truc, et comment c'est... vous faites pour vaincre ce trap? Non, mais le truc, c'est quand tu prends le micro, une fois que tu... Une fois que c'est parti, c'est fini, en fait. Il n'y a plus ce track, en fait. Mais le début, avant de monter sur scène, pendant que tu es dans les coulisses et qu'on t'annonce... bon, je me dis que peut-être ce track, c'est le souci de vouloir faire plaisir à son public, voilà. Et je crois que c'est un peu ça. C'est le souci de ne pas pouvoir satisfaire son public, ainsi de... Voilà. Tu te soucies un peu de comment, voilà, comment satisfaire ton public. Donc. Mais une fois que tu démarres, c'est bon, quoi, c'est fini, ça passe. Je n'ai pas oublié ma petite demande. Vous avez préféré jouer un peu, juste faire un petit bout. Ce qu'on avait fait, le rap, j'étais juste un chanteur dans un groupe de rap. Mais mon rap, il sera nul. Ouais, allez-y alors, parce que je n'ai pas eu la chance d'écouter la première fois que vous avez essayé. Allez-y alors, s'il vous plaît. Donc je vais faire peut-être un petit bout de ce que j'avais fait. Wow! Ok, ça c'était juste un titre qui ne figure pas sur l'album, mais qui l'appelle juste à Victoire sur la COVID. Voilà. Comme je le disais tantôt. Improviser une chanson, on a souvent l'impression que c'est facile, mais c'est très difficile. Et ça me donne envie de vous demander, vous classeriez comme un débutant intermédiaire ou un professionnel dans la musique? Je crois que ça, c'est une question qui me sera très difficile parce que ce n'est pas à moi de déterminer qui je suis, en fait. Je sais que j'ai commencé la musique, j'ai commencé à monter, ça fait un peu longtemps quand même. Il y a des jeunes qui sont certes venus après moi, qui ont des projets, qui ont des albums sur le marché après Kansi. Mais qualifier de professionnel, ce serait trop dur aussi. Voilà, moi, je me dis, vous jugez la chose comme vous le sentez. Parce que moi, je sais que je suis en train de sortir juste un album. C'est sorti à Paris il y a un an. Ici, c'est sorti il n'y a même pas deux semaines. On se lève donc, le matin pour sortir un album. Faut pas nous blaser. Non, mais en fait, je ne sais pas si avoir un album sur le marché qualifie montre qu'on est professionnel. Parce qu'on peut avoir plusieurs albums sur le marché sans être professionnel, en fait. Voilà. Il y a tellement... Ça dépend de je crois que c'est le public. Vous n'êtes pas en train de nous dire que vous faites le genre de musique qu'on connaît là, Le genre de musique qu'on connaît, c'est-à-dire, parce que le genre de musique qui sort chaque semaine là, c'est pas le genre. Oui, mais c'est ce style de musique.
J'étais à plusieurs albums actuellement parce que je suis rentré. J'ai connu mon producteur en 2012. Je suis rentré en studio en 2016 et je suis sorti en 2019. Voilà. Si c'était le style de musique qu'on attend, je crois que chaque mois j'aurais fait peut-être. Je vais pas trop. Ce serait trop prétentieux, mais je dirais des gens à ma place auraient fait un album chaque mois. Parce que j'ai l'équipe qui est là, j'ai l'orchestre qui est là, on tape quelque chose rapidement et puis ça sort. Mais c'était un travail de longue haleine, voilà. Et c'est allé crescendo vraiment parce que il y a eu la période d'apprentissage ici, de suite jusqu'au studio. Cassie, j'ai quand même envie de vous connaître. J'ai envie de connaître Cassie. Qu'est-ce que Cassie écoute comme musique? J'aime beaucoup, j'aime la musique bien faite. Les belles mélodies ou l'instrument ou les deux? Moi, je mise d'abord sur les rythmiques, en fait. J'aime beaucoup l'originalité, en fait. Et quand j'écoute quelque chose que je n'ai jamais entendu, moi, personnellement, les rythmiques, les rythmiques venant d'Afrique, ça m'emmène très loin, en fait. Ça fait un moment quand même que vous êtes dans la musique et j'aimerais quand même savoir si vous avez déjà connu des échecs. Si oui, comment vous les avez surmontés? Vous savez que je suis monté une fois sur scène. Je me rappelle de ça comme... Et c'est ce que j'expliquais en fait. En 2007, je suis monté sur scène pendant cette même compétition et quand je suis rentré, je suis monté sur scène, personne ne me connaissait pas. Ne me connaissait en fait. Quand je suis monté, les gens ont commencé à crier « descend, descend, descend ». Oh. Ouais, wow. Et sans m'avoir écouté, les gens étaient en train de crier « descend, descend ». Et j'étais arrêté. Et j'avais un ami même à côté qui me connaissait très bien. Et lui, il savait peut-être ce que j'allais faire dans les secondes qui suivent. Mais il a bien capté le son, juste pour après se marier un peu. Pour « ah ouais, tu vois, je vais te montrer un jour que tu es monté sur scène, tu as été hué, un truc comme ça ». Il y a eu des gens qui sont montés avant moi qui étaient seuls et ça a un peu capoté. Bah, je peux expliquer ça comme ça, mais quoi qu'on dise, ça a été un peu un truc, un échec en fait pour moi parce que c'est vrai qu'après les gens, ils ont... Et c'est à cette même compétition que j'ai remporté le premier prix en fait. Mais le décollage n'a pas été facile pour moi. Je trouve que c'était un et peu... Et ça vous a plutôt rendu plus... Ça vous a plutôt rendu très fort d'ailleurs. Oui. Ça m'a permis de dire au fond de moi, il faut que je montre à ces gens qui ne savent pas ce qu'ils croient en fait. Ça veut dire quoi, waza? Waza, ça veut dire quoi? Waza, c'est... Ça peut paraître très banal parce que c'est du guamo. Quand on dit waza, ça veut dire mon ami. En fait, quand je ne veux pas appeler le nom de quelqu'un, je dis, mais le gars là, il est en train de foutre quoi là? Je dis, au hasard, tu fous quoi? Ah, si. Pour ne pas appeler son nom. Mais la chanson en elle-même, elle renferme toute autre chose, toute une autre histoire en fait. Mais c'est pour ne pas nommer quelqu'un. Ok. Que j'ai juste pris au hasard parce que c'est du Boamou. Et vous allez voir sur le même album, vous allez voir à quelque part, il y a Wahinlo. Parce que Waza, c'est le masculin, Wahinlo, c'est le féminin. Donc, si Wahilo. Waza. Donc, vous êtes mon Waza. Waza, mon ami. Il n'y a pas de souci, voilà. Qu'est-ce que madame Waza? Sans prononcer votre nom, je vais dire ah, Wahilo, ici dessus. Il n'a pas dit que tu étais son Waza. Il a dit, j'ai entendu, il a dit. Vous avez dit non, Kessi. Vous avez dit que vous êtes mon Waza. Waza? Oui, Wahilo. Okay. Non, on se comprend. Si tu ne comprends pas le langage de Waza, madame, dégagez, ça c'est pour les grands. Donc j'ai quand même là, une autre petite question vous allez, là. Vous allez me mettre en conflit avec elle, c'est pas bien. Elle est aussi parce elle est déjà là avec sa jalousie. Pardon. elle est aussi ma Wahilo, donc ça va, ça peut aller. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, elle est aussi ma Wahilo, donc ça va. Wahilo. Voilà. Parce que quand c'est une femme, on dit Wahilo. Wahilo. Waza. Voilà.
Ça se prononce comment? Wahimno. Si vous, vous voyez sur Deezer ou Spotify, vous allez voir le titre là, vous verrez Wahimno. Wahimno. On arrivera à le prononcer apparemment. Wahimno, c'est facile, Wahimno. Voilà, Wahimno, ça c'est très bien prononcé. Ah, c'est Gui ou c'est Hi? Non, Hinlo, Wahimno. Wahimno, la Hinlo. Wahimno. 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 Voilà. Comme j'ai dit, Wahimno. Kasi. Oui. Bon, que voulez, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne lorsqu'on vous écoute? Je veux juste qu'on retienne de moi quelqu'un qui veut faire connaître la culture africaine. Mm-hmm. Et sur toute la planète entière, si possible. Je crois que ça marche plutôt bien parce que je vais partir d'ici avec deux mots, Waza et Wahimno. Ok, super. et vous direz ça à un Boaba tout de suite, il va dire avec qui vous avez dit ça. ils vont nous voir en direct. Ah ouais. Si vous passez sur ma page, et moi je suis très content d'avoir laissé au moins quelques mots, parce que sur ma page, je fais des directs chaque vendredi à partir de 19h. Et vous allez voir que ce soit des Français, que ce soit des Américains, la plupart de ceux qui me suivent, ils vont dire Initié. Quand ils finissent là, quand ils veulent dire merci, ils disent Initié. Initié, c'est Angela, ça veut dire merci. Initié. Initié. Voilà, ils disent Initié ou bien Anitié, ça veut dire merci, tout court. Et au revoir, c'est quoi, Angela? Au revoir. On peut dire Kambé. Kambé, ok. Voilà, Kambé. Voilà. Kambé. Voilà. Et Initié. Mm-hmm. Voilà, Initié, ça c'est merci. Ah, ok. Kambé, Initié, merci, au revoir. Voilà. Donc, vous allez, si vous suivez peut-être mon direct le vendredi à partir de 19h, vous allez voir que la plupart des gens qui viennent, ils disent Initié, Initié, parce que j'ai fait de telle sorte que chacun sache que merci, ça veut dire Initié. Parce que quand moi-même, je les réponds, quand ils commentent, j'ai dit Initié, Anitié. Après, ils reviennent, inbox, ils demandent, mais c'est quoi tu veux dire Initié? Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai dit oui, ça veut dire simplement merci. Donc, la prochaine fois, quand ils me répondent, je me dis simplement Initié et ça marche très bien. OK. Et ouais. J'ai encore envie de vous demander, pendant qu'on parle là, parce que votre mission, elle est tellement vaste, elle est grosse, okay. Mission. Elle est même plus qu'une mission impossible. Donc, mais vous avez pris une bonne option, c'est-à-dire chanter en djoula, je suppose. Djoula, ouais. Chanter en djoula, en fait, parce que... Djoula et du bois. Moi, je ne comprends pas le djoula. Je ne comprends pas le djoula, mais j'aime bien les mélodies de votre son. J'aimerais bien savoir ce que vous okay. Alors, vous avez pas tout le temps comme nous qui ne comprennent pas le djoula? Oh, oui, en fait, pendant la tournée parisienne, j'étais souvent obligé de peut-être expliquer juste un peu, mais ça dépend des concerts. Ça, c'est souvent des concerts intimistes où il y a des gens qui demandent, par exemple, ils disent ah, là, on veut qu'un si, mais on veut qu'il soit juste là dans une salle où il n'y a pas de sonorisation. En fait, je suis là juste avec ma guitare. J'amène un soliste avec moi, il est avec moi. On joue sans sonorisation, et là, c'est comme si c'était un exposé en fait. Right. On te demande, oui, mais le thème que tu viens d'aborder, ça veut dire exactement quoi, ainsi de suite, voilà. On te pose des questions, et ça c'est vraiment des gens qui veulent savoir exactement de quoi tu parles. Voilà. Je crois que c'est peut-être dans ce genre de situation, ou dans des interviews, par exemple, que tu peux... Parce que même chez moi, au Burkina Faso, tout le monde ne comprend pas le Boamou, et tout le monde ne comprend pas le djoula. Vous avez plusieurs langues là-bas? Oui, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs langues. Il y a ceux qui parlent le djoula, le boamou, le moré, le dafi, fulfulde, il y en a tellement. Ah bon? Il y en a, oui, il y en a tellement. Et le molaké, c'est là-bas au Burkina, molaké? Molaké, non, ça se passe, non. Ok. Vous comprenez ou bien c'est difficile? C'est comme au Cameroun, chacun parle sa part et personne ne comprend l'autre. C'est comme ça aussi? Oui, c'est un peu comme ça, pratiquement, je crois. Je crois que dans toute l'Afrique, en fait. Chacun a sa langue, il parle sa langue, et puis, bah, voilà. Chacun parle sa langue. Voilà, c'est pas comme moi. Moi, je suis Boaba, mais je parle le djoula. Voilà.
si vous êtes du nord, du sud, de l'est, de l'ouest ou du centre, vous êtes d'où? Bon, c'est... Nous, on dira plutôt que nous, on est de l'ouest, de vers Bobo-Dioulasso, en fait. Ah, nous aussi, on est de l'ouest, hein, du Cameroun. Ah, ok. Donc, de l'ouest en ouest. Ça va. Nous sommes les westerns. On est les voisins. Nous sommes les westerns. Vous êtes mes Wahilo, donc ça va très bien, ça marche. J'ai oublié le merci encore. J'ai déjà oublié. Initié. Wow, okay. Et au revoir, c'était quoi? Calme-toi, j'ai la tête. Calme-toi, ah, voilà. Bravo. Oui, je crois que tu as retenu. J'étais vu écrit. Seulement ça, c'est du Djoula. Voilà, ça, c'est le Djoula. Okay. Et le Djoula, il est parlé au Mali aussi. Ok, pour tirer vers la fin, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regarderont aujourd'hui dans ce programme? Je ne sais pas si je pourrais... si je peux résumer en un mot ce que je vais dire. Bien sûr. C'est juste dire à la jeunesse africaine de croire en elle-même, c'est tout. Comme on le dit souvent, il n'y a pas de saut métier. Voilà. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, crois en ça et ça va payer forcément. Il y a beaucoup, nombreux sont ceux qui disent que Kanti est aujourd'hui le symbole de la persévérance. Moi, je trouve que non. Parce que quand j'ai fait la sortie de mon album, on m'a dit, il a fait plus de 8 ans avec sa maison de production. Moi, je dis non. Je ne suis pas le symbole de la persévérance. Je crois juste en ce que je fais. Et j'ai appris beaucoup durant tout ce parcours. Tout n'est pas que négatif, en fait. Le temps, c'est rien. Ouais. Voilà. Et quand donc, c'est juste croire en ce que l'on fait. Et ça marche toujours. Quand c'est. Ouais. On sait que c'est une star, non? Les stars ont toujours les lunettes et les trucs comme ça, là. Mais est-ce que vous êtes à... Non. On est entre Wahilo et Waza. Donc, il n'y a pas de star mania qui tienne ici. Donc, on est entre Waza. Je demande... Voilà. Donc, il n'y a pas de star mania ici. Il n'y a pas de souci, ça marche. Bon, alors, vous êtes alors aveugle. Ou bien malvoyant ou... Malvoyant. OK. Voilà. C'est l'une des rares fois que je passe ça, en fait. Parce que je suis toujours sur scène avec mes verres. Là, je considère que c'est mes Wahino qui sont là. C'est la famille. Ouais. J'enlève les verres juste. Mais je vais les remettre dans quelques secondes d'ici là. C'est juste... c'est pas... Il n'y a rien, j'ai rien aux yeux. C'est la signature, n'est-ce pas? Voilà, c'est juste une petite signature. Et je n'ai même pas les verres d'ailleurs dans tous mes concerts, dans tous mes spectacles. Ah bon? Souvent, je les enlève. Voilà, pratiquement la majorité des vidéos où je vous ai vu, vous avez... Oui, on me l'a dit. Certains même m'ont écrit inbox. Ah ouais, bah, on a l'impression que tu as toujours les verres. Je dis oui, bon, c'est rien de grave. En fait. Il n'y a pas de souci. Souvent, les directs, je les enlève. Mais directs, je ne porte pas de verres. Souvent. Ah bon? Ouais, donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, je demande la permission de les porter. Allez-y. Il faut porter les lignes. Ok, ça marche. Waza, vas-y. Merci. Merci, Wahilo. Toi qui écoutes... Wahilo, c'est quoi? Alors, comme nous sommes deux Wahilo, là, maintenant, quelqu'un va dire que c'est à elle qu'on dit seulement, là. Donc, Wahilo. Comment? Wahilo, j'ai pas compris. Là maintenant, c'est quoi? Parce que quelqu'un va dire que c'est pour elle seulement qu'on a dit Wahilo. Donc maintenant, Wahilo. En fait, Wahilo, c'est pour dire juste, c'est comme si on disait ma soeur. Okay. Mais mon ami, merci. Et au pluriel alors? Parce qu'une fille va dire que c'est à elle que tu dis seulement. Donc... Vous entendez, non? Une fille là, c'est elle. Elle va dire que c'est elle. Alors que c'est Wahilo, c'est moi en fait. Non, mais y a, non, c'est pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Parce que si on dit Wahilo, c'est pluriel et singulier. Comment... C'est pluriel et singulier parce qu'il faut qu'on soit clair. Wahilo. Mais il faut seulement mettre es Wahilo. Ça devient pluriel. Oui, en fait, c'est le Waza. Tous les Waza et le Wahilo qui suivent quand c'est maintenant. Okay. Quand il vous demande d'être vous-même, de croire en vous. En vous, ouais. Oui. Croyez en vous, croyez à ce que vous faites. OK. Et persévérez dans tout ce que vous faites. Ça va aller. C'est comme message. Oui. En tout cas, ouais. Et j'en profite aussi pour dire. On dit merci comme.
Attendez, pardon. Waza Kansi. Inutile d'avoir été là. Ah là là, merci, merci. Bravo. Okay. Non, madame, tu peux pas me faire ça. Je dois dire la phrase là. Je dois dire, tu peux pas me faire ça. Waza Kansi, wa ilo Kansi. Ah non. Mais... Waza Kansi, wa ilo Kansi. Suivez Kansi. Si le cancer continue à le supporter, et ensemble, si on le supporte, il ira loin. Kambe Inishe. Kambe Inishe. Merci. Bravo. Tu es jaloux. Merci. Merci beaucoup. Il fallait d'abord Inishe Kambe. Voilà. Inishe et puis Kambe. Inishe Kambe. Merci beaucoup. Anitche. Anitche. Voilà, Anitche, Anibaraji. Voilà. Ala ka here kaube. La chatugate. Ala ka here kaube. Que Dieu vous fasse assez de bonheur. Ala ka here kaube. Merci. Voilà. Alors, nous demandons à ceux qui nous suivent aujourd'hui de suivre les pages de Kansi que nous allons passer sous votre écran. Vous pouvez le suivre sur ses pages. Vous pouvez également le contacter directement par les contacts que vous allez voir sur votre écran. Et Kansi nous a fait l'honneur de venir avec nous aujourd'hui pour parler un peu de lui, de sa musique et de ses... C'est un honneur pour moi. Et voilà. Nous lui souhaitons un très bon vent. Nous lui souhaitons beaucoup, beaucoup de succès. Et voilà. Merci. On n'a pas oublié qu'il va faire un duo avec Akrem, hein. On n'a pas oublié ça. Avec notre artiste Aklem. Il n'y a pas de souci, ça marche. Je suis tout prêt et j'attends. C'est très intéressant les collaborations artistiques, c'est très bien. Okay. Voilà. Parce que la musique, c'est tout d'abord. Madame, au revoir, c'est quoi encore? J'ai oublié. Non, ça c'est entre nous. Voilà. Kambe, tout le monde. On se revoit la prochaine fois. J'espère que je parle le Zula. Attends. Sike et Souke et Siriki, Initié, ouais, pour tout ce que vous avez fait pour la culture. Burkinabé. Oui, surtout ce que j'ai bien fait. Initié à toute la population burkinabé parce que vous faites vraiment, vraiment du très bon boulot en ce qui concerne la culture, l'art. Et tout. Merci. Vraiment, vous êtes un modèle pour l'Afrique. Et voilà, pour votre fils aujourd'hui, Kansi, qui est là pour démontrer encore que le Burkina Faso ira toujours très loin en matière de culture. Et voilà, Harris New York fera ce qu'il peut pour soutenir des artistes tels que Kansi et bien d'autres. Merci. Et voilà, nous vous remercions d'avoir été là. Et on se dit... À bientôt. Merci. Merci. Bye bye. Sa mère, son cœur décélère.